Donc tout cet équipement qu'on va vous donner, les combinaisons matelassées puis les combinaisons étanches, c'est pour aller nager dans une faille tectonique qui symbolise la séparation continentale entre l'Europe et puis l'Amérique, la plaque américaine. Pour la mettre, donc le zipper il va à l'arrière comme ça. On fait certainement l'activité la moins dangereuse disponible en Islande. Quand on a la tête sous l'eau et puis que le masque se remplit d'eau, le tuba se remplit d'eau, c'est hyper facile, il suffit de sortir la tête de l'eau, enlever le tuba, le masque et c'est fini. Alors, comment ça va tout le monde? C'est bien. C'est une grotte de lave, Leiðarendi, ça veut dire c'est la fin du voyage. D'accord. Donc c'est une grotte de lave typique de ce qui se passe en Islande. On a une coulée de lave qui a coulé par ici il y a environ 1200 ans. On va maintenant s'enfoncer jusqu'au fond pour aller l'explorer dans son entier. Il y a à peu près 900 mètres de couloir. La neige va fondre et elle va doucement rentrer dans la mousse et dans les couches de terre, les petites couches de terre qu'il y a au-dessus de la lave. Mm-hmm. Et puis petit à petit, ça traverse, c'est poreux la lave, donc ça rentre dans la grotte et ça goûte.